Allez, qu'est-ce que t'en dis d'un petit trio de jazz, hein, un petit trio de jazz? Parce que c'est vrai que les trios, j'aime bien, j'aime beaucoup les trios, parce que bah c'est, t'as pas de voix et t'as que des instruments et c'est très reposant, c'est très relaxant, c'est, bah voilà, c'est tout ce que j'aime bien aussi, c'est encore autre chose, mais je kiffe, je kiffe. Bon, allez, c'est parti. Hop, sur les Serwin Vega, sur les Serwin Vega VE15, XLS, XLS15. Merci, merci les filles, merci. Merci pour ce beau duel. Beau duel. Ah, laquelle choisir? La magnate. Moi je pense à la magnate. J'aime bien la magnate, elle est jazzy, hein. Très jazzy. Hein. Ouais. D'un point de vue global, les gars, franchement, je vous cache pas que. Les maniates, en fait, ah oui, je te fais le petit débrief à chaque fin d'écoute parce que bah, on écoute des genres différents, tout ça, et moi, forcément, j'ai encore les autres écoutes d'avant en tête aussi. À dire que les maniates, elles sont rock, jazzy. Pour les sons modernes, je les trouve moins fun. Tu vois, tout ce qui est, regarde, bande-annonce de film, sur du son, du hip-hop. De l'électro, j'aime beaucoup les Serwin Vega, bon, elles sont au-dessus, hein, ça y a pas de problème. Et voilà. Voilà. C'est dur à les départager, hein. Franchement, c'est très dur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais garder les deux. Et je vais attendre qu'il y ait un constructeur qui arrive, qui arrive et qui foute un petit coup de pied dans la fourmilière, pas dans la Formule 1, mais voilà, un constructeur, s'il m'entend, ou même toi, hein, si jamais tu veux te lancer dans le commerce de la hi-fi avec hi-fi abordable avec des 38 cm, enceinte polyvalente, eh ben écoute, n'hésite pas, hein, n'hésite pas si t'as pour projet de commercialiser des enceintes, on va dire, dans ce type-là, hein, pas avec
pas avec des pavillons, enfin tu sais, des choses où c'est ça ressemble plus trop à une enceinte, mais vraiment dans ce concept-là, dans le concept enceinte, voilà, 38 cm, médium aigu, voilà, dans le même format. Si tu as quelque chose à proposer et que tu veux le commercialiser et que ça marche bien, eh ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas l'essayer et le mettre en concurrence directe avec les Magnat et les Serwin Vega? Écoute, ma foi, qui ne tente rien à rien, tu sais, dans la vie, je vois beaucoup je sais même plus comment on appelle les mecs qui font du do it yourself, DIY. Voilà, c'est. D'ailleurs, on a beaucoup qui sont partis aussi de rien en faisant leurs propres enceintes, et maintenant, tu vois, ils ont réussi à créer une marque, tout ça. C'est bien, hein, vraiment, mais justement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans avec un 38, une enceinte à moins de 2000 balles, à moins de 2000 balles, franchement, je fais une petite proposition, voilà. Là, je te la fais dire en direct comme ça, bam. Ça tombe sous le nez et je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être très intéressant parce que du coup, à mon avis, dans une enceinte à moins de 2000 balles avec des bons composants, le filtrage qui est bien fait, tout ça, il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu comme c'est un petit appel d'offres, hein, là que je te fais là, mon pote. Enfin, si tu regardes et que t'es dans ce milieu-là, hein. Parce que je connais beaucoup de personnes qui sont dans le do it yourself, c'est pour ça. Après, de là faire du commercial, tu vois, c'est encore différent. Mais il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, les gars. Et ouais, regarde, Magnat, ils ont bien fait ça. Je sais pas combien que ça leur a revenu, mais à mon avis, ils ont, enfin, l'enceinte en elle-même, en coût de construction, ça vaut pas énorme. Après, il y a toute la production, tout le côté merchandising derrière, la publicité, tout ça, mais voilà. Enfin, la publicité, ça, c'est moi qui m'en occupe, puisque c'est moi qui leur fais leur pub gratuitement, j'ai envie de te dire, à force de faire des vidéos sur les manières. Mais tu vois, c'est intéressant. Enfin, voilà, c'est un truc à creuser, hein. Pour ça que je dis ça pour les personnes qui voudraient éventuellement faire une enceinte do it yourself et pouvoir la comparer avec ces enceintes-là. Voilà les gars. Bon, bah allez, c'est parti. Sur ce, je vous laisse parce que je vais du coup essayer de faire d'autres vidéos, tests pro comme je voulais faire, si j'ai le temps. Et ça m'a fait super plaisir de vous faire écouter tout ça. Mais dans les deux cas, là, les deux enceintes, voilà, c'est les enceintes que je pense que j'ai du mal encore à départager à l'uniformité. Pour l'instant, ça reste vraiment que sur des styles musicaux différents. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Allez, bisous. Ciao.